Salut à tous, c'est Ivanel. Bienvenue dans ce Let's Play Fairy Fencer F Advent Dark Force. Alors, Ethel vient de nous rejoindre. Donc, on va tout de suite l'équiper correctement. Donc, au niveau des fairies, je vais lui mettre une fairie de glace, évidemment. Parce que Ethel utilise la glace en combat. Donc, je vais lui mettre Snow. Parce que celle-ci, je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas trop, ouais. Donc Snow, comme ça, ça va me permettre d'aller mettre quelques compétences à Snow tout à l'heure. Sinon, au niveau des équipements, je vais aller lui acheter deux ou trois petites choses. Donc on va d'abord voir ici, elle arrive avec 1200 points. C'est plutôt pas mal, hein, 1200. Donc voilà, comme ça, le combo c'est fait. On va lui augmenter l'attaque, parce que je considère qu'Ethel est plus une attaquante physique que magique. Mais bon, ça regarde que moi, évidemment, hein, mais voilà. J'augmente quand même la défense parce que ça va devenir important. Là, les ennemis vont commencer à frapper fort et tout. Donc, il faut que je pense à ma défense physique. Sinon, au niveau des skills, eh bien, donc de la glace. Et donc, skill à l'arc, skill à la faux, skill encore à l'arc et au point. Et la technique ultime... La technique ultime, c'est au canon. Enfin, de toute façon, je l'utiliserai, donc on verra bien. Donc, pour l'instant, je lui en apprends une. L'autre, on verra plus tard. Hein. On va pas se presser au niveau des skills. Magie. Alors, magie, j'ai dit que c'était pas trop une magicienne pour moi. Donc, je finirai par lui apprendre de la magie. Mais bon, je vais pas me presser à ce niveau-là. Sinon, augmenter l'attaque physique, ça peut être utile. Baisser la défense physique des ennemis, ça peut être utile aussi. Pour le reste, on verra après. Au niveau des habiletés, alors ça peut être pas mal si on utilise sa commande spéciale pour tuer l'ennemi en un coup. Comme ça, même si elle rate son coup, en fait, ça va quand même faire des dégâts. Donc si on utilise sa commande spéciale, c'est plutôt pas mal. Moi, ça va pas forcément être mon cas, donc je vais garder mes points pour l'instant. Et au niveau des armes, je compte lui apprendre de l'arc. De la faux aussi, donc en ce qui concerne la faux, j'ai déjà ce qui m'intéresse là, donc on va dire que ça va. Et la lance et le gun, non, je n'y toucherai pas, vu qu'elle n'apprend pas de skill à la lance et au gun, je n'y toucherai pas. Voilà, donc on va éditer tout ça. Donc ici je lui mets les techniques à l'arc, ok, et ici je lui mets les techniques à la faux, histoire qu'elle puisse envoyer l'ennemi en l'air, un petit peu comme tous mes autres personnages. Voilà, formation... Ah, formation, faudrait que je pense à remettre Sherman en première place. Ethel en seconde place, voilà. Voilà. De toute façon, on n'est que deux, donc... c'est pas comme si on avait beaucoup de possibilités. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça va. Bon, je vais aller lui acheter une armure. Ouais, voilà, je vais lui prendre celle-là. Histoire de lui augmenter un petit peu sa défense magique, pourquoi pas. Au niveau des accessoires, non. Au niveau des accessoires, normalement, j'ai ce qu'il faut. Alors. Voilà. Et au niveau des accessoires, je vais lui mettre ça. Pour lui augmenter un petit peu sa défense. Et puis Sherman, ben ouais, je vais lui changer aussi. Je vais lui mettre ça. Voilà. Ok, comme ça, ça me va pas mal. Allez, voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Ok, super. Génial, c'est tout à fait ce qu'on cherche. Uniquement s'il a décidé de faire pareil. Parce que ça, c'est pas sûr. Pas sûr du tout. Mais bon. Faut bien commencer quelque part. わかりました。ならば一緒に行きましょう。頼りにしていますよ。うん。頑張る。
Franchement, c'est mieux de l'entendre parler, quoi, est-elle. Je veux dire, elle a une petite voix et tout, j'aime bien. Espérons qu'elle devienne un peu plus bavarde, ça pourrait être sympa. En attendant, ces deux-là... ce serait difficile de dire s'ils s'entendent bien ou pas. peut-être parce que c'est une sorte de robot. Ok. Oh, carrément, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais bon, ça peut être pratique quand même de pas avoir à manger comme ça. Ouais, il y a ça aussi. Ah, d'accord. Donc il avait dit la vérité à ce sujet. Franchement, c'est bizarre, mais bon. C'est vrai que c'est pratique. Ouais, non, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Reste comme ça. Ok. Aurait-il dit n'importe quoi? D'accord, allez, plein de scènes à voir, c'est parti. Ouais, c'est vrai. D'accord, donc est-elle est passée d'une personnalité à vouloir tuer tout le monde, à vouloir tuer tout ce qui bouge, à plutôt timide en fait. Ouais. Remarque, timide, elle l'était déjà peut-être avant aussi. Hein. Ça je dis pas, mais bon. Tout du moins là, elle veut plus tuer les gens. Franchement, c'est mieux. Ouais, c'est un peu ça. C'est plus ou moins inversé. Ouais, peut-être que de son point de vue, ça ne l'est pas, mais bon, nous,
on vient d'un endroit, d'une époque, ou de, je sais pas trop comment le dire, mais en ce qui nous concerne, c'était pas comme ça avant. Ouais, si on veut. Ok, pourquoi pas. Bon. Si elle s'était appelée Mélanie, à mon avis, ça aurait été pareil, mais bon. Si elles veulent le voir de cette façon. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense que ça n'a rien à voir, en fait. À mon avis, vu la situation dans laquelle Ethel se trouvait, même si ça avait été avec Fang, à mon avis, elle serait quand même venue avec nous. Elle était sur le point de se faire tuer, quand même. Donc, il ressemble beaucoup à un robot, mais... C'est pas un robot d'après ce qu'il dit, c'en est pas un, c'est... C'est bizarre. Mais enfin, on va pas chercher plus loin. Ouais. Mais enfin... À mon avis, elle parlait de la taille, hein. Enfin, de la taille... Ouais, non, là, c'est moi qui fais du double sens. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin, bref. Quoi qu'il en soit, on va aller ici. Comme ça, je vais m'occuper de Snow, parce que, étant donné que je l'ai équipé sur Ethel, je vais lui mettre... voyons voir... Voilà, ça. Une protection contre le feu. C'est pas que ça m'intéresse beaucoup, mais lorsque je n'utiliserai plus Snow, je pourrai profiter de... L'argent plus 50%. Ça pourra m'intéresser. Allez. Donc, en ce qui concerne les skills d'Ethel, on va commencer par le premier. Voilà. Rien de spécial, mais bon, c'est sympa. Ok, et maintenant, le deuxième skill. Wow, sympa celui-là. Donc on voit bien qu'elle utilise l'arc et la faux, voilà, ça a l'air d'être deux armes, ces deux armes de prédilection. Avec tous les sauts que j'ai retirés sur le dieu maléfique pour pouvoir accéder à cette route, du coup... La DS, c'est pas que je l'ai négligée, mais j'avais retiré que, je sais plus, 4 ferries sur elle, pas plus. Hein. Donc du coup, maintenant, on va commencer à se rattraper un petit peu. Voilà. Voilà, lui, j'en ai retiré quand même pas mal. Surtout sur la jambe droite, là, il n'y en a plus quasiment. Enfin bref. Donc c'est bon, je revérifie... Ouais, effectivement, on est loin du compte. Ah. Ouais, forcément.
Ouais, j'ai pas trop compris là. Je sais pas. Ok, bon, merci du conseil. Ah bon, ok. Moi, je voulais une réponse sincère, mais bon, visiblement. Ok. Bon, alors c'est là qu'on va aller. C'était justement l'endroit où on avait combattu Ethel, donc avant de se retrouver ici dans le passé. Donc bon, là on n'aura plus à la combattre. On verra bien ce qui va s'y passer. Mais je vais pas y aller tout de suite en fait. Bon, au niveau des quêtes là, de toute façon, tant que j'aurai pas monté de niveau à mon avis. J'aurai rien d'autre. Voilà, c'est Lola qu'on va aller voir parce qu'elle a une nouvelle ferie, enfin une nouvelle information concernant une ferie à nous vendre. C'est de ça que je vais m'occuper immédiatement. Après toutes ces petites conversations. Ok. Non, cherche pas, c'est pas bien grave. On voit bien où sont ses priorités, sérieux. Ah! Ouais. En plus, c'est tout à fait son genre. Ça veut dire quoi, ça? Oh, allez, c'est pas grave. Vaut mieux être honnête sur ce genre de choses. Ouais, c'est vrai, on n'a pas que ça à faire. Ouais, carrément. Ok, bon. Alors, voyons voir Lola.
qui, elle, visiblement, a pas trop changé. Toujours obsédé par l'argent et tout. Mais bon, tant que ces informations sont bonnes, on va pas s'en plaindre. Allez, on y va. On a obtenu une petite information sur Pippin, sur l'endroit où il pourrait éventuellement se trouver. Mais bon, on s'en occupera peut-être plus tard. Surtout que s'il est encore en train de sermonner les personnes qu'il a vaincues, on va surtout pas s'en mêler parce qu'on va se retrouver pris dedans. Et ce serait peut-être pas une bonne idée. Allez, on y va. Je vais juste faire un combat histoire de vérifier qu'on sera à la hauteur. Voilà. Ouais, et puis il y a ça aussi, j'y avais pas pensé, mais Snow, il faut vraiment qu'elle prenne des niveaux rapidement. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Je vais tout de suite aller m'occuper de la féerie, enfin du monstre à combattre pour la récupérer. Allez. Ok, elle est là-bas. Donc, trois griffons. Bon, franchement, ça devrait être gérable. Du coup, peut-être que je pourrais faire ça, ouais. Mince, j'ai oublié d'utiliser justice. Bon, c'est pas bien grave, mais... Allez, tu le fais sur toi aussi. Les boosts, c'est quelque chose que j'ai pas utilisé quasiment avant de me retrouver sur cette route-là. Mais bon... Oh, j'en avais pas vraiment besoin parce que les ennemis étaient pas très forts. Mais à partir de maintenant, vu que ça va devenir un peu plus compliqué, ça peut être pas mal. Ok, allez, rapprochez-vous les deux là, que je puisse vous toucher, voilà, en même temps. Pareil pour Ethel. Ce serait pas mal qu'elle puisse se transformer. Oh, raté, mince. Ah, franchement, j'adore ce skill. Non, je les aurais pas tous les deux. Avec celui-là, peut-être. Ah mince, je l'avais. Ah voilà.
moi, coup d'après. Ok, au prochain tour, on se transforme. Alors, voyons ça. J'aime bien la position qu'elle a quand la flèche lui traverse le corps. Franchement, j'aime bien. Ah mince, je croyais qu'on l'avait tué. Ah, franchement, quand on est que deux, c'est vrai que ça va beaucoup moins vite. Ouh. C'est pas que c'est difficile, mais voilà, ça traîne. Ok, allez, pour finir. Son skill ultime pour en finir. Sympa. De ce que je me souviens, la première fois, je m'attendais vraiment pas à ça comme technique ultime, mais bon, pourquoi pas. Ok, protection à glace. Nouvelle Fairy de type feu de rang B. Ok, par contre celle-ci, je vais pas m'en occuper tout de suite parce que les rangs B, c'est pas évident. Et vu que je suis... ouais, on est que deux, quoi, donc arriver à se faire un saut de rang B, ça va pas être facile, donc je vais attendre. En attendant, c'est tout pour cette féerie, donc je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire en ville, même si j'irai vérifier. Et puis dès la prochaine fois, donc, on retournera dans ce donjon-là, puisqu'apparemment on a une autre féerie à récupérer. Et on verra bien si on peut trouver de nouveaux alliés. Allez, en attendant, je vous dis bye, salut à tous!